Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de nouveau. J'espère que nous nous portons bien. Moi de mon côté, je vais merveilleusement bien. Alors les filles, on se retrouve sur le plateau pour parler du gel de douche exfoliant Socarote de la maison Fair and White. Alors le gel de douche exfoliant Socarote nettoie et exfolie la peau, élimine les cellules mortes et affine le grain de peau, laissant une peau lisse, souple et douce. C'est un gel de douche exfoliant moussant, léger et délicieusement parfumé. Le gel de douche exfoliant de la maison Fair and White révèle une peau éclatante. J'aime personnellement ce gel de douche car il nettoie la peau en profondeur. Il élimine les taches noires foncées causées par les masques de grossesse pendant des années sur le visage. Il élimine les vergetures pendant la grossesse. Il élimine les masques de grossesse. Il nettoie tout le corps jusqu'aux orteils. Il enlève la graisse sur le visage. Il enlève l'huile sur le visage pour ceux-là qui ont un visage huileux. Le gel de douche peut être utilisé par les femmes pendant la grossesse et après l'accouchement. Il vous aidera à nettoyer la peau, surtout pour celles qui noircissent pendant la grossesse et qui ont des vergetures, car le gel de douche élimine les vergetures causées par la grossesse sur le corps. Pour la femme enceinte, je conseille que vous l'utilisez 4 à 5 jours la semaine en gommant votre corps et visage. Alors, voilà comment vous pouvez utiliser ce gel de douche pour celles qui sont en grossesse. Mouillez premièrement votre corps. Appliquez le gel de douche sur le corps et visage tout en massant votre peau. Laissez reposer le gel exfoliant sur le corps pendant 10 à 15 minutes. Après, mouillez votre frottoir avec de l'eau, frottez le corps, puis rincez avec de l'eau. Réutilisez le gel de douche 2 à 3 fois par semaine après l'accouchement. Pour celles qui ne sont pas enceintes, appliquez le gel de douche 2 à 3 fois par semaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même les hommes peuvent utiliser ce gel de douche, car il nettoie aussi bien la peau des hommes. C'est un bon produit pour un visage huileux et gras. Je conseille aux gens d'appliquer ce gel avec un lait clarifiant et non éclaircissant. Ce gel de douche peut être agressif pour une peau sensible. Il peut vous faire sortir un à deux gros boutons sur le visage si vous l'appliquez tous les jours sur un visage sensible. Alors les filles, c'était le gel exfoliant de la maison Fair and White Socarote. Personnellement, j'applique ce gel de douche et je ne me plains pas. J'aime mon teint. Ce gel de douche ne marchait pas sur mon visage au départ car j'ai une peau sensible. Quand je l'appliquais tous les jours, j'avais des boutons sur le visage. J'ai donc commencé à l'appliquer 2 à 3 fois à semaine. Mais jusque-là, il était agressif. J'avais toujours des boutons, un ou deux gros boutons sur le visage. Sur le corps, ça marche merveilleusement bien. J'ai pas de soucis et j'apprécie mon teint. Surtout au niveau des jambes, c'est bien propre. J'ai recommandé ce gel de douche à l'une de mes sœurs qui avait accumulé le masque de grossesse pendant 2 accouchements successifs. Elle avait des taches noires foncées sur le visage pendant des années qui ne s'enlevaient pas. Après l'application de ce produit aux endroits abîmés 2 fois par jour, son visage est redevenu propre. Je l'ai aussi recommandé à l'une de mes sœurs qui était enceinte et elle a passé ses 9 mois de grossesse sans vergeture, sans boutons et sans taches avec un teint propre. Du coup, vous pouvez tester pour voir ce qu'il en est de vous et laissez-moi des commentaires afin d'aider des autres. Donc du coup, les filles, c'était le gel exfoliant Socarote. Et donc, les ingrédients qu'ils ont utilisé pour la fabrication de ce gel, c'est le noix d'abricot. C'est vraiment ça le produit clé, c'est le noix d'abricot avec d'autres composants. Donc du coup, ce gel de douche fait vraiment des miracles pour des femmes qui sont enceintes, même pour celles qui ne le sont pas. Si tu veux simplement maintenir ta peau, si tu veux simplement nettoyer la peau, en tout cas, ce gel de douche vous aidera vraiment de beaucoup. Donc du coup, les filles, testez. Laissez-moi des commentaires si vous êtes enceinte ou pas, testez. Les hommes peuvent l'utiliser. Déjà, mon fiancé utilise ce gel de douche car il a une peau grasse. Donc, du coup, ça l'aide beaucoup. Donc, les garçons, tout comme les femmes, vous pouvez utiliser ce gel de douche. Mais vraiment, je vous conseille d'utiliser ce gel de douche avec des laits clarifiants et non éclaircissants. Donc, du coup, on se dit sur une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Donc, voilà. Ciao.